demander pour le nom? Mais oui, il s'appelait Young Bird, et vous? Monevata. Monevata. J'ai repris la langue d'origine. Et ça... Bonjour. Bonjour. Je savais pas que tu avais de la visite. Je te présente Jonah, la jeune femme dont je t'ai parlé. Tu m'as dit c'est une femme. Une femme, une femme. J'ai l'intention de l'engager pour s'occuper de la maison. Oh, t'engages des femmes là qu'on parle. Je croyais que tu pensais à l'autre. Comment vous repartez ce soir? On est obligés, bon. On est parti tellement vite, on ne trouvait personne pour s'occuper de la maison. On va avoir envie de taper 1h30 de route pendant la nuit. Oh, mais pas quand c'est mon chéri qui conduit. Mais non, mais pourquoi? Et puis, je me doute bien que t'as envie de passer un peu de temps avec tes filles. Oui, mais vos chiens, il n'y a personne pour s'en occuper. Les petits chats, on ne peut pas s'en occuper. Ah bon, ça? Oui, oui, je pense qu'ils pourraient. En feu, ça me brûle comme une merde. Beverly a disparu et toi tu me gueules dessus. Je te gueule pas dessus, maman. Quand j'ai eu mon cancer, t'as pas pu revenir, mais là Beverly disparaît et tu te précipites. Ce qui arrive encore, il est très enflé, la couleur n'est pas jolie à voir et les poissons lui ont dévoré les yeux. Oh mon Dieu. Comment une personne peut-elle se jeter à l'eau et choisir de ne pas nager? À mon avis, c'est quelque chose qu'on ne fait pas quand on ne veut pas aller jusqu'au bout. Choisir de ne pas nager. Et la tante Ivy alors? Je suppose qu'on passera chez elle au retour pour la prévenir. Tout fichu en l'air. Je me suis dit, il n'y a que moi, ici et maintenant. Pas besoin de rien donc, je peux vivre ma vie avec moi-même. Alors, j'ai passé mon permis, je me suis jetée dans le travail, j'ai vendu des tas de maisons et j'ai rencontré Steve. Elle retourne, elle dit qu'elle a garé l'ordonnance et lui en prescrit une autre. Puis la semaine suivante, elle s'est froissée un muscle, encore des pilules. Puis c'est le dosage qui n'est pas bon, encore des pilules, encore et encore. Jusqu'à ce qu'elle fasse la visite de trop et qu'ils lui disent « Je ne te fais plus d'ordonnance ». Alors, elle sort une liasse d'ordonnance. Il s'est déchiré les cheveux en bataille et puis... Et puis surtout, il avait des bottes. Des bottes de cuir.